SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Béjarville, Carrefour, Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre même serviteur Eric Thor. Je suis tout le temps fatigué, hein, les amis. Je suis tout le temps fatigué. Voilà, vous avez remarqué, normalement c'est 3 vidéos par jour. Mais actuellement là, ma forme ne me permet pas d'enchaîner les vidéos en fait. Donc, souffrez d'avoir au moins une vidéo chaque 18 heures. Ok, en fait, dans cette vidéo, je vais vous parler du concert du 29 décembre. Et puis, tout en fin de la vidéo, je vais vous mettre un petit tutoriel pour vous abonner à 10h. Pour créer un compte 10h et vous abonner à un truc. Au compte 10h de notre artiste de Bordeaux, Likoufa. Mais avant, j'aimerais juste dire quelque chose. Souvent la vérité fait mal, hein. La vérité fait mal, mais il faut souvent la dire. Il faut souvent la dire pour fouetter l'orgueil de celui qu'on supporte, de celui qu'on soutient et tout ça. Il n'y avait rien de mal dans ma vidéo d'hier. Comme d'habitude, les jaloux l'interprètent comme ils veulent. Mais ceux qui sont pleins de bon sens et connaissent ma vision et où je vais envoyer mon artiste, on compris, voilà, c'est pour ça que cela s'exprime bien dans les likes et puis dans les dislikes. Donc, merci de toujours m'encourager, merci de toujours m'encourager. Moi, je dis toujours, je ne suis pas venu sur le net ici pour du buzz ou pour... je disais, je ne suis pas venu sur le net pour chercher du buzz ou pour chercher une quelconque faveur d'un artiste. Moi, j'adore de Bordeaux Likoufa, j'aime de Bordeaux Likoufa. Et que ceux qui parlent, parlent. Mais l'artiste, ce que vous ne savez pas, c'est un artiste plein de bon sens. Il a ses défauts, mais il sait ce que je fais pour lui. Il sait où je vais l'envoyer. Voilà. Vous pouvez lui demander. Ceux qui ne peuvent pas rentrer dans son inbox, à vous qui avez son inbox, vous pouvez lui demander. Il sait ce que je lui apporte. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je veux seulement le booster, le pousser. Ce que j'ai dit sur son staff, c'était rien de nouveau. C'est ce qui est vrai. Voilà. C'est vrai que lui-même n'aime pas les responsabilités là, mais moi, je trouve que son staff aussi n'encourage pas. Voilà, il n'encourage pas. C'est pourquoi j'ai créé mon ras-le-bol hier. Bref, on ne va pas s'attarder dessus. Une autre chose aussi, vous voyez bien, l'entreprise, en fait, c'est une entreprise très sérieuse. Ne vous lassez pas de réaliser cette publicité-là parce que je suis en partenariat avec cette entreprise-là, vous comprenez un peu. Demain, vous pourrez avoir besoin de mes services et puis je vais faire la même chose avec vous. Mettez-vous à la place aussi de cette entreprise-là. Voilà, c'est une sorte de publicité, une sorte de communication très efficace. Et il y a déjà des trucs, les fruits de cette collaboration-là. Donc, ne jugez pas. Voilà, c'est juste une période bien déterminée. Après, ça va passer. Ça peut être demain une autre entreprise. Comprenez que c'est juste du marketing. C'est rien de mal. Parce que vous-même, vous pouvez avoir besoin de moi. Voilà, parce que je jette beaucoup de personnes comme ça dans l'ombre. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans l'ombre. Donc, souffrez encore. Juste en tant que partenariat avec cette entreprise-là. Ok. Une autre chose concernant le conseil du 29 décembre. Moi, je ne veux pas qu'on reste dans les considérations de DJ Arafat est fort, que de Bordeaux est fort, que DJ Arafat, ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de cotiser ton argent. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, nous qui n'avons pas l'argent, c'est de cotiser ton argent pour acheter ton ticket, pour assister à ce conseil-là. Je pense que de ce conseil-là, tu verras qui est le plus talentueux, qui est le plus fort, qui a plus de charisme. En tout cas, c'est un conseil qui promet. C'est un conseil qui attend tant, moins 50 000 personnes. Ça, je vous le dis, hein. Vous serez très étonnés. C'est deux grands groupes de fans qui se réunissent ce 29 décembre là. C'est deux grands groupes de fans. Donc, je ne te fais même pas raconter cet événement là. Il faut t'apprêter. Il faut vraiment, vraiment t'apprêter pour participer à ce concert là. Il ne faut même pas, les gens viennent te dire c'était du lourd, c'était fort, c'était monstrueux. C'était beaucoup d'émotions, mon ami. Commence à cotiser ton argent. Cotise au moins jusqu'à 10 000 et puis tu mets les 10 000 de côté pour acheter ton ticket. Voilà, parce que c'est un conseil qui promet vraiment, vraiment, vraiment. Je vous ai dit, actuellement, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'abonnés qui m'appellent, qui disent qu'ils vont faire tout pour être là en décembre. Ils disent qu'ils vont faire tout pour être là en décembre. Donc, c'est un conseil qui promet, les amis. Franchement, j'invite toute la Légion, toute la Chine à s'apprêter. Parce que je vous informe que, Inch'Allah, ce mois d'octobre-là, notre artiste de Bordeaux va nous faire plaisir. Il commence déjà à partir de demain. Avec un futur qui avait Zaga Bombo et après il enchaînera avec lui-même. Je vous ai dit,
critiquer. On dit que nous sommes fous et toujours le supporter. Moi, je suis fier de le supporter. C'est pourquoi j'ai toujours le culot aussi de lui dire ce qui ne va pas. De lui dire que c'est pas comme ça qu'on travaille. De lui dire de s'améliorer. De lui dire de se professionnaliser. Voilà. Donc, continuez de parler. Moi, c'est Dieu qui est ma récompense. C'est pas vous. Voilà. Je travaille pour ceux qui aiment bien mes vidéos. Je fais des vidéos pour ceux qui apprécient ma mentalité, ma vision, mon idéologie. Voilà. Une autre chose encore, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème du stade de Felicia, je pense que c'est un problème personnel. Peut-être que on s'est dit qu'on va aller faire du désordre là-bas parce que franchement, des Bordeaux, ce sont deux artistes qui drainent vraiment du grand monde. Voilà. Donc c'est des précautions, mais je pense que au prochain concert, voilà, au prochain projet de ces deux-là, on va prendre le stade de Felicia. Donc restez connectés, moi tout ce que je vous dis c'est de vous apprêter, laissez les comparaisons là, désormais Di Arafat et De Bordeaux c'est la même famille, donc on a juste se mobiliser massivement pour assister à ce conseil là, on a tout le temps pour le préparer, les amis, ok. Une autre chose c'est concernant le compte Deezer, vous avez, j'ai le lien en description de ma vidéo, c'est-à-dire quand vous regardez ma vidéo, vous allez voir, il y a une flèche juste en bas là. Vous cliquez dessus, ça va se déplier. Vous allez voir mon lien Facebook, mon lien Instagram. Tous les liens sont là-bas. Même l'entreprise que j'aide actuellement au niveau de la visibilité, ils ont les liens là-bas. Le premier lien tout en haut, c'est le lien du compte sur Deezer. Voilà, j'ai un tutoriel que j'ai pris chez une chaîne là. Je vais mettre même le lien de la chaîne en description aussi pour que vous puissiez écouter comment on crée un compte Deezer. C'est aussi facile que ça. Vous n'avez seulement qu'à rentrer votre email, votre mot de passe. Quand vous rentrez votre mot de passe, vous rentrez votre pseudo, votre âge, votre mot de passe, tranquille quoi. Quand vous partez, vous faites recherche, vous tapez De Bordeaux Likoufa, ça va sortir. Vous mettez simplement un cœur sur De Bordeaux Likoufa, vous devenez simplement abonné au compte de Bordeaux Likoufa. C'est aussi simple que ça. Donc je compte vraiment sur vous, s'il vous plaît. Comme je disais, Nathalie c'est seulement à 1400 abonnés sur son compte Deezer. Je vous demande de vous mobiliser massivement. Suivez bien le tutoriel qui va suivre et puis partez sur le lien, cliquez dessus. Ça va ouvrir une page, vous rentrez toutes vos informations et puis vous cherchez des produits pour vous abonner massivement. Voilà. Aidons Nathalie aussi. Aidons Nathalie. C'est vrai qu'on critique, mais aidons-le aussi. Parce que tous ces œuvres qui sortent là, on doit vraiment streamer, on doit vraiment studier si possible, même l'acheter, même si cette plateforme-là. Voilà. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer un peu pourquoi on n'a pas forcément besoin de carte bleue pour créer son compte Deezer. Voilà. Le tutoriel va déjà vous expliquer un peu, mais moi je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Parce que Deezer, il me semble, est partenaire avec Orange. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer ça. Donc c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Et bon visionnage sur le tutoriel. Suivez bien le tutoriel. Et puis, partez vous abonner massivement au compte Deezer de Bordeaux Likoufa. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Salut à toutes et à tous. C'est OM13. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment avoir un compte Deezer Premium gratuitement. Donc tout d'abord, vous allez vous inscrire sur le site Deezer. Donc vous rentrez une adresse mail, n'importe laquelle, même si elle n'existe pas. Vous tapez vraiment n'importe quoi. Ensuite, vous choisissez un mot de passe. Vous rentrez votre pseudo. Donc là, vous dites si vous êtes un homme ou une femme. Et votre âge, vous mettez aussi n'importe quoi. Vous cliquez sur inscription. Donc ici, Deezer vous demande de choisir les styles de musique que vous préférez. Donc moi, je ne peux pas le faire, mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Donc je clique directement sur « Accéder à ma musique ». Une fois que vous êtes sur la page d'accueil de Deezer, vous cliquez juste ici sur « S'abonner ». Donc si vous ne savez pas à quoi correspond l'offre Deezer Premium, vous avez juste ici toutes les fonctionnalités qui y sont résumées. Sinon, appuyez sur « Essayer pendant 15 jours ». Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous descendez, vous sélectionnez PayPal, vous cochez la case, vous faites activer mes 15 jours gratuits. Cela va nous renvoyer vers le site PayPal. Ensuite, dans la case de l'adresse mail, très important, vous rentrez cette adresse mail, compte-du6om13@gmail.com. Il est très important de ne pas changer cette adresse mail. Et dans la case de mot de passe, vous mettez tout en majuscule, om13, compte.
vous cliquez sur connexion, ensuite vous cliquez sur agree and continue. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, Deezer Premium est activé. Donc il marque qu'il est activé pendant 15 jours, mais en réalité, Deezer Premium est disponible pendant beaucoup plus longtemps. En effet, si vous utilisez l'application mobile, vous verrez apparaître de temps en temps un message comme celui-ci, mais vous l'ignorez tout simplement, et Deezer Premium fonctionnera toujours. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à lâcher un commentaire, et abonnez-vous. Allez, ciao!